pas de convoi. Je vais passer l'été au quartier avec les autres frérots en bas. Chercher un billet à gratter. Est-ce que j'imagine que avant de pratiquer le rap, bah t'en écoutais? Ouais, comme tout le monde. Je pense pas que les mecs que t'écoutais, ils avaient exactement les mêmes messages que la plupart des rappeurs d'aujourd'hui. Mmh. Donc, tu vas me dire, c'est le reflet de la société. Mais y a pas que ça. Moi, pour moi, si. Ouais. Moi, pour moi, si. Parce que les mecs, tu vois, de l'époque, qui rappaient quand moi j'avais 13 ans, 12 ans, et ben, eux, ce qu'ils rappaient, pour des mecs de 10 ans plus tôt, et ben, c'était déjà ignoble ce qu'ils rappaient. Tu comprends ce que je veux dire? Mais parce que, entre les 10 ans d'avant, là, et l'époque où ils rappaient, le truc avait déjà évolué. La société entière, elle avait déjà évolué. Donc, ce qui fait qu'eux, ils arrivaient avec des codes qui étaient un peu plus violents que les mecs d'avant. Tu vois ce que je veux dire ou quoi? Et ben, nous, aujourd'hui, on est 10 piges après, frère. Là, c'est encore plus n'importe quoi qu'avant. Moi, j'ai l'impression que, tu vois, je sais pas, dans les années 90, on aimait un rappeur pour son discours. Mm-hmm. Alors qu'aujourd'hui, on aime un rappeur pour son personnage. En fait, si tu veux, c'est juste qu'il y a l'émergence d'une nouvelle partie du public. C'est pas tout le public qui aime un rappeur pour son personnage. T'as vu, il y a plein de gens, tu sais, qui aiment le rap à texte et qui vont percuter sur des morceaux à texte. Maintenant, il y a aussi toute une autre partie qui en général est plus jeune, tu vois, et qui sont plus attachés à l'entertainement qu'il y a autour. Tu vois ce que je veux dire? C'est que moi perso, l'analyse que j'en fais, hein, c'est qu'à l'époque, la France, et donc du coup le rap français, c'était pas, si tu veux, pour moi, j'ai l'impression qu'en France, on écoutait le peura, enfin en tout cas une grande partie du public écoutait du peura uniquement pour écouter ce que les mecs avaient à dire, mais uniquement pour ça. Et moi, j'ai juste l'impression qu'aujourd'hui, ça peut s'ambiancer. Les gens, ils écoutent du peura parce que c'est une musique. Tu vois ce que je veux dire quoi? Donc maintenant, musicalement, le mec, il me plaît. Si en plus, son discours me parle, tant mieux. Et voilà, tu vois ce que je veux dire. Mais avant, j'ai l'impression que vraiment, le premier critère pour écouter un rappeur, c'était, ouais, est-ce qu'il a un discours politique? Est-ce qu'il revendique ceci? Est-ce qu'il est contestataire? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Non. Moi, perso, c'est pas comme ça que je conçois la musique. Et comme je dis toujours, t'as vu, je vais encore me répéter, c'est que à partir du moment où tu décides de placer des mots, mais qu'il y a un fond musical derrière, tu vois, et que donc tu t'es pris la tête à choisir une prod, c'est un beat que tu veux qu'il sonne comme ça, que t'as dit au beatmaker, non, je veux que ça sonne comme ça, parce que là, j'aime pas la caisse claire et truc machin, le piano, je veux que ce soit comme si, la basse, elle doit être comme ça, machin, nan, nan, c'est que t'as une recherche musicale. Donc ta démarche, elle est musicale, tu vois. Après, ce que tu dis dessus, c'est ton affaire. Mais même comment tu le dis, la manière de le poser, le flow, les placements et tout machin, tout ça, ça compte. Donc si tu te prends la tête à faire ça, eh ben, c'est que tu es dans une démarche musicale. Tu peux pas mentir, tu vois. Voilà, c'est ton truc, il est musical, frère, tu vois. Sinon, si tu avais juste un discours et que tu t'en battais les couilles de la forme, tu ferais soit du slam, et encore même pas, parce que même dans slam, il y a une forme, mais tu t'enregistrerais des discours et tu vendrais tu les vendrais même pas, tu vois. Tu enregistrerais des discours et tu les distribuerais au marché ou sur Internet, ou en gros, c'est tout. Tu vois, voilà. Il y a un côté artistique à mettre en avant là-dedans. C'est tout, frère. Et ça, en soi, moi, je trouve pas que ce soit un mal. C'est comme ça, c'est de la musique. Donc, on fait de la musique, et ben voilà, on chante, il y a de la musique. Et donc, c'est-à-dire que même ce que tu as à dire, les gens, ils vont apprécier ce que tu dis parce que tu le dis bien. Tu vois, parce que tu le dis bien et parce que ça sonne bien à leur oreille. Je suis désolé, demain, tu peux dire des trucs de ouf, mais si t'as un flow, t'es en dehors du beat, même tes instrus, vas-y, on dirait des trucs de Nintendo, frère, avec ça pue sa mère, on s'en foutra de ce que tu dis. Tu vois, on reconnaîtra que ouais, non, il dit des bons trucs, mais vas-y, il est pourri à écouter, frère, j'écoute pas parce que ça me saoule. Tu vois? Mais il y a un équilibre à trouver quand même. Ouais. Tu peux pas dire n'importe quoi. Bien, ouais, mais tu sais, moi, perso, chacun son truc. Tu vois, chacun fait selon sa personnalité. Tu vois, moi, je peux pas faire des morceaux de Golemon, de Gogol Total, où je dis que de la merde de A à Z. Tu vois? Maintenant, après, tout le monde n'est pas comme ça. Tu sais, tu peux pas imposer à quelqu'un qui, par exemple, qui a aucun avis politique. Il y a des gens comme ça, t'as vu, tu sais, qui s'en battent les couilles, je sais pas, leur délire, c'est juste les meufs, vas-y, je sais pas, moi, aller en boîte, ou même pas, enfin, ils s'en battent les couilles de la politique ou de la faim dans le monde, voilà, tu sais, c'est pas leur centre d'intérêt. Donc le mec, tu peux pas le forcer à rapper un truc qui lui parle pas. S'il s'en bat les couilles,
Pourquoi tu veux qu'il en parle dans ses sons? Non, et puis même quelqu'un peut écouter, je sais pas, moi je vais donner, je sais pas, du Kerry James, et puis derrière le soir, c'est pas interdit qu'il se mette. Exactement. Tu vois, non, mais t'as tout compris. Tu vois ce que je veux dire? Moi je te parle donc, juste de toile. Et donc c'est pour ça que moi je pense même pas qu'il y a un juste milieu à avoir. Le juste milieu c'est quoi? C'est que ça doit être de la bonne musique. Pour moi c'est ça le juste milieu. Parce qu'encore une fois, comme je te dis, on parle de musique. Tu vois? Tu sais, on parle pas de militants. C'est-à-dire que moi, tu me connais pas Dossé en tant que ouais, Dossé le militant. Non, tu me connais en tant que Dossé le rappeur. Le rap, c'est quoi? C'est une musique, frère. Tu vois? Donc tu me connais en tant que Dossé le rappeur. C'est-à-dire que le truc qui a fait que tu t'intéresses à moi aujourd'hui, c'est parce que je rappe. Tu vois? C'est pas parce que je faisais des discours dans une cave. Non, parce que t'as entendu que le mec il rappe, ouais, ah, j'ai entendu un son qu'il a fait, c'est pas mal. Voilà. Donc après, c'est tout. Donc après, soit t'es touché par ce que je dis, et dans ce cas, tant mieux, bah, c'est parfait. T'as vu, tu kiffes la forme, tu kiffes le fond, c'est nickel. Ou soit tu kiffes juste la forme, et bah, t'écoutes pour ce que c'est de la musique, tout simplement. Tu vois? C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent du rap Kenry sans en savoir. Tout simplement. Les Kenry, on comprend rien de ce qu'ils disent, et même qu'on comprend, même ceux qui comprennent, ben il y a certains rappeurs Kenry, voilà, qui parlent rien d'autre que de baiser des billages, bouge ton, check ton booty, fais du twerk sur ma bite, yana. Et voilà, t'as vu, on s'en bat les couilles. On écoute et puis on se divertit avec ça. Une plaque à la place du mort, une brune, une blonde sur l'arrière banquette. On ne sert que des avions de chasse. Oui. La grosse chatte à Kate Blanchette. Oui. Je vais te parler du morceau Vegeta. Bon, bah, comme d'hab, t'aimes bien fermer les projets avec des trucs qui secouent un peu. Je vais pas revenir sur le côté le monde du rap, l'hypocrisie, parce que je pense qu'on l'a, on l'a déjà bien évoqué. À un moment, tu dis, on n'a pas les mêmes codes. Est-ce que t'as eu, bah, tu vois, ça revient un peu au truc, est-ce que t'as le sentiment, soit que toi, t'as changé, soit que le modèle a changé, ou en tout cas, enfin, clairement là tu parles d'une évolution dans le truc. Ouais bien sûr, non mais bah, c'est comme je te disais. Ça n'a pas l'air de te plaire. C'est comme je te disais tout à l'heure, c'est qu'on n'a pas les mêmes codes. C'est qu'il y a plein de codes que. Mais là je parle pas de code artistique. Hein. Ouais, non, mais de code d'honneur, on est clair. Ouais, exactement, de code d'honneur, voilà, t'as tout compris, c'est ça le mot. On est clair. De code d'honneur. Et en effet, ouais, il y a des trucs qui. En tout cas qui sont différents de quand j'étais plus jeune. Tu vois, après, voilà, moi, c'est un truc, t'as vu, je m'adapte à la réalité dans laquelle je vis, tu vois. Et donc, je suis conscient que, bah, que ça, c'est la réalité d'aujourd'hui, tu vois. Mais voilà, mais en tout cas, moi, je me retrouve pas dans certaines manières de se comporter. T'as vu, tu sais, il y a certains... voilà, c'est comme t'as dit, c'est un code d'honneur, en fait. C'est ça, c'est le mot exact. On a le sentiment que, je sais pas, il y a eu des déceptions, que... Ouais, à mort. C'est quoi, c'est l'évolution de ton statut, ou... À mon avis, c'est un... C'est pas très... Non, t'es très explicite dans la manière dont t'as envie de piquer tout le monde, mais les raisons, on les assimile pas bien. En vérité, on devine un petit peu qu'il y a des trucs qui sont... En fait, c'est un tout. En fait, c'est un tout. C'est un mélange de plein de choses. Donc, il y a en effet l'évolution de mon statut. Il y a aussi l'évolution du statut de certaines personnes aussi, tu vois, qui fait que, du coup, ils apprennent le truc d'une autre manière, tu vois. Le regard change. Exactement. Tu vois, il y a... En fait, c'est un tout, tu sais, c'est vraiment un tout. C'est l'évolution de la situation d'une manière générale. Et donc, ça comprend mon statut, ton statut, ça comprend les manières de faire des gens d'aujourd'hui et tout. Et ce qui fait que ça les amène à avoir certains comportements, des fois, qui sont les comportements de bâtards, tu vois. Des comportements de bâtards et tout. Et lorsque toi, t'as encore certaines valeurs qui sont ancrées, il y a des trucs, tu sais, qui aujourd'hui paraissent normaux pour les gens. Paraissent normaux pour les gens, mais que... Mais non, moi, t'as vu... non, j'ai encore du mal avec ces trucs-là, tu vois. Il y a, moi, certains trucs que je peux pas faire. Certaines manières de se comporter que, tu sais, je peux pas adopter. Est-ce que t'as pas l'impression d'être en minorité dans ce truc-là? C'est possible. C'est possible. Justement, quand tu dis « j'aurais dû t'écouter, c'est moi qui ai fait le con », on a l'impression que, bon, à un moment, bon, bah, t'as eu des échos... Prévenait, attention, ouais, bien c'est sûr. Un truc de requin. Bien sûr. Essaye de pas trop mettre de cœur là-dedans. Bien sûr. Parce que sinon, ça va se retourner contre toi. Bon, bah finalement, visiblement, le retour de flamme, tu l'as pris. Mmh. À qui tu t'adresses là? Quand j'ai j'aurais dû t'écouter, négro, c'est moi qui ai fait le con. Un frérot à moi qui m'a souvent dit, gros, ton problème, c'est que tu vois, c'est que t'as trop de cœur et que t'es trop diplomate avec ces gens-là, alors que c'est des fils de pute. Donc tu devrais les niquer, tu vois. Ça fera moi, et je sais qu'il se reconnaîtra. Et voilà, t'as vu, et en gros, c'est ce que je dis, c'est que ouais, et au final, avec un peu de recul, je me rends compte que ouais, qu'il avait pas tort. Et que ouais, qu'en vrai, vas-y. Tu sais, je dis quelques lignes plus tard, je dis ouais, je m'étais juré de pas devenir comme tous ces rappeurs paro. De pas devenir comme tous ces rappeurs paro. Parce que justement, moi à l'époque,
quand je voyais des gens et tout en interview qui disaient ouais mais vas-y le rap c'est un milieu de fils de pute, ouais c'est tous des bâtards et tout, je me disais toujours mais vas-y, trou du cul, va, tu vois. T'es là, tu. Bah, pourquoi tu fais du rap alors? Bah rap pas alors mon frère, t'es pas content, tu vois. T'es là, tu rappes mais tu passes ta vie à chier sur tout le rap. Et en vrai, avec du recul, je comprends. T'es... Ouais, je me dis que ouais, bon, t'as vu. Je passerai pas ma vie à faire ça. Tu vois, à être là et en, dans toutes les interviews, dire ouais, c'est des fils de pute, machin. Mais non, c'est pas mais faux. Tu préfères leur chier dessus publiquement plutôt qu'en cachette. Quoi. Ouais, clairement. C'est ouais, une clairement. Manière de ouais, faire. Bien sûr. Un peu plus honorifique, quoi. On va finir en parlant de Yuri. Ouais. Ça va être short avant la fin de l'année, j'imagine. Ouais, je pense aussi. Donc tu vas prendre le temps, t'es déjà dessus. Ouais, 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 totalement, ouais. On est déjà dessus. Dans tous les cas, je pense que le travail sur Yuri, le travail public, je parle, hein, donc c'est-à-dire le début des hostilités, ça va se faire dans tous les cas, là, en cette fin d'année. Donc dans tous les cas, les gens, ils auront des nouvelles de Yuri là, bientôt, tu vois. Mais la sortie en elle-même, ouais. Ça ressemble au printemps. Ce sera un petit peu short. Ouais, ça ressemble au printemps, ouais. Je sais pas. À mon avis, ce sera, t'as vu, vers les mêmes eaux que Perestroïka en vrai. Mmh. Tu vois, Perestroïka sorti le 16 mars, Yuri je pense que sera peut-être un peu avant, mais ouais, là, par là. T'as déjà des sons en boîte, ouais, t'es déjà bien dedans. Là, ouais, bien sûr. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, t'as des projets qui sortent, le 31, ouais. Finalement t'es déjà sur autre chose. Ouais, toujours un petit décalage, c'est bien pas sûr. Frustrant Non, absolument pas, non, c'est pas frustrant, parce que nous... T'sais, c'est nous qui sommes derrière la machine. Ça veut dire qu'on se doit d'avoir un temps d'avance. T'sais, nous, on peut pas. En gros, je peux pas vivre le truc en même temps que le public. Tu vois, sinon, ça veut dire que je vais te dépasser. Tu vois, non. C'est moi qui donne le truc. Donc, je suis obligé d'avoir un temps d'avance et de savoir déjà que, ouais, bon, qu'est-ce que je vais leur donner après. T'as le sentiment d'avoir passé un cap là sur ce truc-là, artistiquement, d'être à un autre niveau? J'espère. Ouais, je pense. Hein. Je pense parce que. Je me trouve plus complet, tu vois. Je me trouve plus complet, tu vois. Ne serait-ce que les bails de chantonner et tout ça, tu vois, autotune, tu vois. Ouais, moi, je me trouve plus complet, en fait. Si tu veux, avant... Mais ça, c'est un truc que moi-même, je me disais à l'époque, déjà. Hein. Tu vois, à l'époque où pourtant, les gens me disaient que putain, mais ouais, Dossé, il est trop fort et tout, machin. Mais moi, dans ma tête, je m'entendais pas fort comme ça. Tu sais, moi, je me disais, ouais, mais dans la forme... Truc, il y a moyen de mettre plus de mélodies. Ouais, enfin, il y a. Tu vois, on n'est pas encore. En fait, t'as vu, moi, je me vois vraiment comme un. Tu sais, c'est un truc brut. Ouais. Tu vois, tu sais, un truc brut. Mais voilà, mais le truc brut, il faut. Tu vois, il faut arranger certains trucs, tu vois. Tout à l'heure, faut le polir. Exactement, tu vois, voilà. Un diamant brut. Tu taffes différemment. Parce que voilà, là, je crois que ça fait 7 ou 8 projets déjà que t'as sorti. Ouais. En comptant les BO et. Ouais. Premier album, du coup. 11 ans après le début, est-ce que voilà, quand on voit le gros truc arriver qu'on attend depuis si longtemps, on sait que voilà, ça c'est vraiment une étape majeure, ouais. En plus en maison de disque, est-ce qu'on travaille différemment tout simplement? Je pense pas que je travaille, j'ai pas vraiment l'impression, après ouais, peut-être à certains égards, mais d'une manière générale non, tu vois, tu construis autrement, j'imagine, quand même. La structure d'un album doit être. Ouais, bien sûr. Ouais. Bah, ouais, bien sûr, c'est plus pensé en fait. Et ben pourtant, non. Tu vois. Pourtant, non. Pourtant, Perestroïka, on l'a vraiment fait en mode on fait une mixtape, c'est-à-dire qu'on fait juste une succession de sommets. Tu vois, pourtant, c'est plus équilibré que ce que tu avais pu faire avant. Ouais, ouais. Ouais, mais c'est parce que. Ouais, mais ça, c'est parce que, comme je te dis, moi j'ai pris de la maturité artistique. Donc maintenant, c'est plus clair dans ma tête où je veux aller artistiquement parlant, ce que je veux montrer aux gens, ce que je veux dégager. Tu vois, c'est plus clair maintenant. Donc, à mon avis, c'est ça qui se ressent dans le truc, c'est que c'est plus cohérent. Tu vois, c'est plus homogène ou je sais pas, après, t'as vu, appelle ça comme tu veux, mais à mon avis, c'est juste ça que les gens ils ont ressenti sans pouvoir mettre un mot dessus. Mais c'est juste que voilà, t'as vu, j'ai. Bien sûr qu'il y a une différence entre Perestroïka et entre Desperados. Tu vois, c'était 5 piges avant. Encore heureux, tu vois. Ouais, c'est sinon, c'est qu'il y a un problème. Ok, bon, on sera là pour en parler en 2016. J'espère qu'il fera moins froid aussi. Ouais, j'espère. Bon, bah merci à toi. Merci à toi. Merci à Bouscapé. Dans la tête, pense péter au jet. Bob vissé sur la tête, je fais traîner au check. Le poteau est hal, en fait sa sortie de heps. Le temps est idéal pour mater quelques fesses. Full son à fond, décapote le Mosca.
direction le centre-ville, faire du gros gars. J'ai enfilé mon son cal, des grandes occasions. Tout mon bénéf en poche, me sens comme Franck Lucas. Miss, tu reluques mes jantes, moi des jambes. Monte à bord, wesh, on s'en tape, je regarde des gens.